Donc en fait, la Panorama OSI, c'est un système donc de scannage pour les regards. Donc vous avez en fait deux yeux de poisson, ce qu'on appelle des yeux de poisson, fish eyes, un au-dessus, un en dessous. Chacun fait 185 degrés. Le système en tout, ça fait 370 degrés, recompacte en fait à 360 degrés pour avoir une image claire et nette en 3D. Donc c'est un scannage comme la Panorama traditionnelle qu'on connaît pour les canalisations. C'est un scannage donc, de 5, toutes les 5 cm qui permet en fait de faire un film vidéo à la fin et d'avoir un résultat net comme si on était avec soi-même dans la canalisation, dans le regard, et de regarder à droite, à gauche, de pouvoir faire des mesures de diamètre, de fissures, de faire un zoomage également, donc d'avoir quelque chose de bien précis. C'est un système ici qui est mis sur palette, donc très simple. On l'a mis également là, c'est un Volkswagen T5. Donc tout simplement mis sur palette, il suffit de dévisser, avec un mont de charge, on arrive à retirer la palette entière, on peut le placer ailleurs. Donc avec le bouton de la souris, le bouton gauche de la souris, je peux orienter là où je veux regarder. Avec le bouton droit, je peux descendre dans la canalisation ou monter, m'arrêter, tourner, pivoter. On voit ici également donc, le haut du regard. Les trois maintiens pour le panorama ici. Voilà, et on descend.